1980, et j'ai finalement pu avoir des places devant la scène. J'ai 29 ans, et je suis heureux comme c'est pas possible. Je conduis sur l'autoroute en écoutant la radio, et puis j'entends l'annonce que mon collègue est mort. Je suis garé sur la bande d'arrêt d'urgence, et je me suis mis à pleurer. Exactement comme quand mon père est mort quand j'avais 12 ans. Je suis sorti de ma bagnole, je me suis assis sur les rails de sécurité, et je pouvais juste pas m'arrêter de pleurer. Un flic s'est arrêté, m'a demandé si ça allait. Je l'ai regardé, et je lui ai dit que le gars était mort. Il m'a mis la main sur l'épaule, et il m'a dit un truc pour me réconforter. Je suis remonté dans ma bagnole, et je suis rentré à la maison. Et le flic m'a suivi pour être sûr que j'entrais bien. Et depuis, chaque mois de septembre, je repense au gars et au flic qui m'a suivi jusque chez moi.